Je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup à dire sur les conceptions du monde par Aristote, Ptolémée, Kepler. Donc, on va faire un petit retour sur cet aspect chronologique. Ça m'a été d'ailleurs demandé parce que les gens voulaient savoir qui avait fait quoi et où et quand. Donc, ici, on a une carte qui représente les régions concernées. Et puis à gauche, vous avez un indicateur qui nous permettra de faire figurer les époques en question. Commençons par situer Aristote. Aristote, c'est moins 350, 350 avant Jésus-Christ. Et c'est un scientifique qui se situe en Grèce. Voici donc Aristote. Puis on saute à environ 150 après Jésus-Christ avec un mathématicien, géomètre, qui est Ptolémée. Ptolémée a un nom de pharaon. Effectivement, il travaillait à Alexandrie. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en 150 après Jésus-Christ, l'Égypte était devenue une province grecque après la conquête de la région par Alexandre le Grand. Voilà donc Ptolémée. On passe à 1500, au XVIe siècle, 1543, à Copernic, qui donc propose une vision héliocentrique du système solaire, en plaçant le Soleil au centre du système et en faisant bouger la Terre. Mais on doit savoir que Copernic se montra très prudent dans l'énoncé de ses conclusions. Et il ne diffusa sa théorie qu'au moment de sa mort, et même il demanda à un de ses élèves qui s'appelait Rheticus de faire une prépublication en se disant si les choses tournent mal, je dirais que je ne le connais pas, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on encourait vite des représailles de la part de l'autorité religieuse. Bon. Regardez cette barre rouge qui représente 1500 ans, qui représente 15 siècles. C'est le temps pendant lequel les astrologues, parce que l'astronomie, ça n'existait pas, c'était l'astrologie, simplement tout ce qu'on demandait aux gens qui avaient une prise sur ces choses du ciel, c'était de pouvoir tracer à tout moment la carte astrologique des différentes personnalités ou des différents événements. Et ce modèle de Ptolémée, qui a été décrit dans la vidéo précédente, garda sa validité pendant 15 siècles. Donc, après intervient un personnage qui est Johannes Kepler. Quand on dit que ces gens sont allemands, polonais, tout ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'à l'époque, toutes ces frontières que j'ai figurées par des lignes jaunes correspondaient à des pays qui n'existaient pas encore, pas vraiment, quoi. Donc Kepler, en 1594, était localisé à Graz, Graz étant ici dans un pays qui sera plus tard l'Autriche. Et c'est l'époque où il publie un livre qui peut d'ailleurs, on pourrait dire, dont le titre peut être traduit par Les mystères du cosmos. Et. Ça a été décrit dans la vidéo précédente, c'est le modèle de Kepler selon lequel il décrit les orbites des planètes comme s'inscrivant grâce à un emboîtement de sphères et de polyèdres platoniciens. Mais il est séduit par le modèle de Copernic, le modèle héliocentrique, qui lui paraît intéressant. Et ça lui vaut quelques difficultés avec l'autorité religieuse, ce qui fait qu'à un moment, il préfère quitter la région et rejoindre un mathématicien, astronome, géomètre, etc., qui est le Danois Tycho Brahe et qui est installé à Prague. Donc Tycho Brahe invite Kepler à Prague et Kepler le rejoint. Et Kepler est très intéressé par les données que Tycho Brahe a accumulées. Parce que celui-ci travaille avec un outil extraordinaire que nous allons présenter et qui a été inventé en 1550, par là, par un cartographe, un géomètre, un mathématicien,
qui s'appelle Pedro Nunes et qui est portugais. Et les Portugais sont très axés sur ces préoccupations géométriques, puisque pour eux, ça leur permet de tracer des cartes en vue d'une expansion géographique qui a été débutée pendant tout le siècle, avec par exemple Vasco Gama et son expédition qui l'a conduit jusqu'à la côte des Indes. Vous voyez donc ici l'instrument inventé par le portugais Pedro Nunes, qu'il a appelé le Nonius, et qui évoque un système de pointage avec l'azimut et le site, un peu comme on pointe un canon. Alors maintenant, ce qui est bizarre, c'est cette espèce d'éventail qui porte des gravures, des cercles, des espèces de courbes comme ça. Eh bien, ceci, c'est ce qu'on appelle un multivernier, c'est-à-dire c'est un système extrêmement astucieux, très pointu mathématiquement, qui permet d'évaluer les angles sous la forme d'un nombre entier et d'un rapport de nombre entier. Et ceci, c'est la préfiguration de ce qui sera inventé quelque chose comme 80 ans plus tard par M. Vernier, et qui donnera l'essence plus tard au pied à coulisses. Et le pied à coulisses possède ici un vernier, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce système-là, inventé par M. Vernier en 1631, permet justement d'avoir des mesures au dixième de millimètre. Autre digression, et je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo, ce même vernier est la suite logique de ce qui a été inventé par les Égyptiens de l'Ancien Empire en 2400 avant Jésus-Christ, et même peut-être avant. Et vous avez ici une coudée pharaonique qui est graduée en doigts. En haut, c'est à peu près un centimètre, on a des graduations régulières en doigts. Et alors on voit une chose curieuse, c'est qu'en bas, ces graduations sont d'abord divisées par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 6, puis par 7, puis par 8, 9, etc. Et cette subdivision permet de faire des mesures jusqu'au 16e de doigt, c'est-à-dire pratiquement le 10e de millimètre. Donc la technique qui a été introduite par Vernier en 1631 et bien avant par Pedro Nunes en 1550, ça n'est rien d'autre que la reprise d'une idée égyptienne vieille de 3000 ans. Bon, il se trouve que j'ai publié en juillet 2016 un article dans une revue d'égyptologie, un comité de lecture, référé, etc., qui explique, qui apporte la clé de cette coudée pharaonique avec ses graduations bizarres, ce qui n'avait jamais été compris jusque-là, quoi. Et à l'occasion, dans cette autre vidéo, j'évoquerai le problème des mathématiques égyptiennes, puisqu'on ne dispose que de 3 papyrus, de rien du tout, ce qui fait que ça permet de dire que les Égyptiens savaient calculer le volume d'une pyramide, par exemple. Alors que ce travail sur cette coudée égyptienne, ça montre qu'il y a un problème. Bien, on va quand même revenir à cette histoire des rapports entre M. Kepler et M. Tycho Brahe. Sinon, mon épouse va dire que, comme d'habitude, quand j'essaye d'évoquer la façon de faire cuire un œuf, j'évoque d'abord l'enfance malheureuse de la poule. Mais enfin, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis assez coutumier de ce genre de digression. Voilà donc Johannes Kepler à Prague, plongé dans la masse considérable de données accumulées par Tycho Brahe grâce au Nonius de Pedro Nunes, du portugais Pedro Nunes, qui lui ont permis de faire des observations si précises. Et sans ces données numériques considérables, Kepler n'aurait jamais pu dériver ces 3 lois qui l'ont rendu célèbre et fonder en quelque sorte l'astronomie grâce à cette vision du monde. Là, je reviens un instant sur cette image où on voit Tycho Brahe est en train de manipuler le Nonius de Pedro Nunes pour faire ses observations. Et puis il a quelque chose de bizarre sur le nez. Eh bien, figurez-vous que
Tycho Brahe avait eu le nez tranché dans un duel et qu'il était obligé de porter un faux nez en argent qui fixait avec de la colle, quoi. C'est historique. Si vous cherchez des images de lui sur le net, vous verrez, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors, j'ai dit que Kepler avait été très tôt séduit par le modèle héliocentrique de Copernic, qui mettait le Soleil au centre du système. Un modèle qui imposait le mouvement de la Terre. Et c'est là que la chose est amusante parce que Tycho Brahe ne croyait pas que la Terre puisse bouger. Il avait beau faire toutes ses mesures, en fait, il les avait pas exploitées, il comptait sur Kepler pour le faire. Et pourquoi est-ce que Tycho Brahe doutait que la Terre puisse se déplacer? Eh bien, cela à cause du parallaxe. Vous voyez, par exemple, si je prends un crayon comme ça et que je le mets devant mes yeux et que je regarde ce qui se trouve sur l'arrière-plan, si je regarde avec l'œil droit et avec l'œil gauche, je vais voir des choses différentes. Le crayon va bouger par rapport. Alors, c'est ce qu'avait fait Kepler, qu'est-ce qu'avait fait Tycho Brahe, qui, lui, voyait que quand on regardait quelque chose avec l'œil droit ou avec l'œil gauche, eh bien, l'avant-plan bougeait par rapport à l'arrière-plan. Hein. Et il avait fait aussi la conclusion suivante. On ignorait totalement quelle était la véritable distance des étoiles. Donc, par conséquent, Tycho Brahe, fort logiquement, en avait déduit que les étoiles brillantes étaient les plus proches et que les étoiles moins brillantes étaient sur l'arrière-plan. Et simplement en se basant sur le fait que quand on éloigne une bougie, elle paraît moins lumineuse, moins brillante que si elle est proche. Le phénomène de parallaxe, quand j'ai mon crayon comme ça et que je regarde avec l'œil droit, avec l'œil gauche, c'est simplement parce que j'ai deux points d'observation différents, soit c'est cet œil-là, soit c'est cet œil-là. Donc il y a une distance qui est la distance entre les deux yeux. Bon, maintenant, comment ça se passe pour la Terre? Ben, la Terre tourne autour du Soleil, et si je prends deux époques d'observation qui sont distantes de 6 mois, une demi-année, eh bien, les deux points d'observation seront diamétralement opposés par rapport au Soleil. Ce qui fait que je regarde dans une certaine direction, ces deux points d'observation diamétralement opposés joueront exactement le rôle de mon œil droit et de mon œil gauche, ce qui fait qu'il y aura un phénomène de parallaxe par rapport aux étoiles proches vis-à-vis des étoiles lointaines. Alors, c'est le raisonnement qu'avait fait Tycho Brahe en disant, bon, supposons par exemple que j'ai une observation du ciel que je fais à telle époque, les étoiles ont telle apparence, maintenant je me place 6 mois plus tard, les étoiles proches devraient avoir bougé par rapport aux étoiles lointaines. Or, il avait fait des tas de calculs très précis et il avait conclu que le parallaxe aurait dû se produire. Et d'où venait l'erreur? Eh bien, il avait évalué la distance des étoiles à une distance comparable à celle des planètes. Or, ça n'a strictement rien à voir. Tycho Brahe avait parlait de millions de lieues, tandis que là, ce sont des distances 10 000 fois plus élevées, 10 000 fois plus grandes. Donc il y a effectivement un phénomène parallaxe qui ne devait être observé au 19e siècle que par Frédéric Bessel, mais avec les moyens d'observation de l'époque qui sont ceux de Tycho Brahe, c'était pas possible. Donc il n'avait pas observé et ça lui permettait de déduire de manière imparable que la Terre pouvait pas bouger. Pendant toutes les années que dura la collaboration entre Johannes Kepler et Tycho Brahe, chacun resta sur ses positions. Et Brahe voulait que Kepler calcule la trajectoire de Mars à partir des données qu'il avait collectées. Et il fallut 6 années à Kepler pour y parvenir, et c'est une chose qui fichument difficile. En fonction de quoi il put énoncer les 3 lois que l'on lui connaît. La première est que les planètes suivent non pas des trajectoires circulaires, mais des trajectoires elliptiques, le Soleil occupant un des foyers. Alors là, vous avez un petit dessin qui illustre schématiquement ce qu'il en est. Mais en fait, si on regarde comment se présentent réellement les trajectoires des planètes telluriques, celles qui sont proches du Soleil,
On voit que l'ellipticité est tout juste sensible au niveau de Mercure. Alors pour Mars, faut de bons yeux. Et ça vous indique simplement la précision que devaient atteindre les mesures effectuées par Tycho Brahe pour arriver à déterminer tout ça. Et ici, une planète qui n'est évidemment pas connue du temps de Kepler, qui est Pluton. Et c'est elle qui a la plus forte excentricité. Donc vous voyez sur le schéma, qu'est-ce que c'est que l'excentricité? C'est le rapport entre la distance qui sépare les deux foyers par rapport au grand axe de l'ellipse. Et pour Pluton, on atteint 25%. Bien, voilà l'excentricité des différentes planètes. Mercure, c'est 20%. Mars, seulement 10%. La Terre, 1,5%, Vénus, 0,7%, Jupiter, Saturne, Uranus, ça tourne autour de 5%. Ce qui est intéressant, c'est que la trajectoire de la Lune autour de la Terre est aussi elliptique, et elle présente une excentricité dans les 10%. C'est ça qui explique que quand il y a la pleine Lune, il arrive des moments où la Lune nous paraît plus grosse qu'à d'autres, simplement parce que dans ce cas-là, la distance qui nous sépare d'elle varie de 10%, ce qui fait qu'elle nous paraît 20% plus grosse. Voilà. Bien maintenant, on va passer à la deuxième loi de Kepler, la loi des airs. On voit un schéma qui montre l'air balayé par la trajectoire pendant une tranche de temps donnée. Et cet air est représenté par la couleur bleue. Donc ici, pendant ce temps T, la planète a balayé cet air bleu. Coup suivant, nouvel balayage. Coup suivant, nouveau balayage. Mais il se passe la chose suivante, c'est que comme lorsque la planète se rapproche du Soleil, la distance est plus courte, alors pour que l'air soit conservé, il faut une vitesse beaucoup plus grande. Et maintenant que le point de périhélie est passé, le périhélie c'est le moment où la planète est la plus proche du Soleil, eh bien la planète reprend sa course, mais sa vitesse se ralentit. On a figuré cette vitesse par une petite flèche que vous voyez. Donc voilà, la planète au voisinage de l'aphélie, c'est-à-dire lorsqu'elle est le plus loin possible du Soleil, et puis on se tape un deuxième tour de manège, vous voyez la flèche qui augmente, hop, la vitesse croît, et puis on ralentit. Voilà, ça constitue donc la loi des airs. Hein. Alors, la troisième loi est beaucoup plus extraordinaire encore. Elle nous dit que le carré des temps de révolution est comme le cube des grands axes. Et, diable, disons que quand la trajectoire est circulaire, c'est plus facile à comprendre. C'est-à-dire, le carré du temps de révolution est comme le cube du rayon, quoi, tout simplement. Hein. Tandis que là, c'est le cube des grands axes. Comment est-ce que Kepler a réussi à montrer ça? On ne sait pas, mais ce sont des calculs assez fins. Et là, on assiste à la naissance d'une modélisation déjà beaucoup plus sophistiquée. Alors, ce qui va être tout à fait extraordinaire, qu'on verra dans la vidéo suivante, c'est que là, Kepler a déterminé une loi empirique, hein, ou semi-empirique, enfin bon, c'est pas basé sur une mécanique donnée. Eh bien, cette loi va s'avérer exacte. Et c'est Newton et Laplace qui vont montrer tout ça grâce à la naissance de cette force de gravitation comme l'inverse du carré de la distance. Il y a une chose qui serait bon de préciser, c'est que du temps de Kepler, l'astronomie au sens propre du terme, en fait ça n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est l'astrologie, c'est de comprendre les destins de Dieu à travers tout ça, les destins de la déité, de toutes ces divinités au singulier ou au pluriel. Et c'est le comment. Comment ça marche. C'est pas pourquoi les choses sont ainsi, c'est simplement le comment. Et ça correspond au calcul de la position des astres à telle ou telle époque pour pouvoir faire des prédictions astrologiques. Gardons bien en tête que Johannes Kepler est avant tout un astrologue. Il était convaincu que l'astrologie était une science qui finirait par obtenir un statut aussi solide que celui des mathématiques, qu'elle était prédictive.
Et il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Il a fait des prédictions assez étonnantes qui sont même réalisées. Donc, de ce côté-là, il jouit d'une certaine crédibilité et aura vis-à-vis de ses contemporains. Or, après avoir analysé les données de Tycho Brahe, on entre dans une ère complètement différente, qui est celle de l'astronomie. Quand on dit par exemple que le carré des temps de révolution est comme le cube des grands axes, c'est une loi, c'est une loi. Donc, astronomie, nomos, c'est la loi. Donc, autrement dit, on passe de l'astrologie à l'astronomie. Hein. Et ces lois, c'est après Newton qui va permettre à celle-ci d'émerger. Et cela se terminera par le travail de Laplace sur la mécanique céleste. On aura quelque chose qui est une mécanique. Alors finalement, ce qui est assez amusant, c'est que tous ces gens qui se sont intéressés aux planètes et à leur circulation dans le ciel ont fini par être amenés à réfléchir sur la façon dont ça fonctionnait. Et ils ont un peu perdu de vue l'aspect divin. On verra que c'est Galilée qui joue le rôle consistant à laïciser l'astronomie. Ceci étant, tous ceux qui voulaient s'occuper des choses du ciel avaient intérêt à prendre des précautions. Par exemple, Copernic a attendu d'être à l'article de la mort avant de diffuser son ouvrage et ses thèses. Il est mort en 1543. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de prendre connaissance de la préface qu'avait ajoutée l'éditeur de l'ouvrage de Copernic, que je vais vous lire. Laissons ces nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables, d'autant plus qu'elles sont là à la fois admirables et faciles, et mènent avec elles un immense trésor d'observations les plus savantes. Mais que personne, en ce qui concerne les hypothèses, n'attende de l'astronomie rien de certain, puisque celle-ci ne veut pas donner rien de pareil, afin que, s'il prenait pour chose vraie des choses fabriquées pour un autre usage, il ne quitte cette étude plus bête qu'il ne l'avait abordée. Autrement dit, ça signifie, lisez ce livre et ne prenez pas ça trop au sérieux. Hein. C'est juste histoire de rigoler, quoi. C'est un toy modèle. Le véritable modèle étant le schéma biblique. Il ne faut surtout pas remettre en question. Et 57 ans après la mort de Copernic, vous avez un Olibrius qui s'appelle Giordano Bruno en Italie. Et lui, il va un peu trop loin et il raconte que il y a des millions de soleils comme le nôtre, avec des terres habitées, et immédiatement on le brûle. Il a fini sur le bûcher, ça rigolait pas du tout. Il faut aussi se dire qu'à cette époque-là, comme on ne sait pas très bien d'où viennent les maladies, la pratique de la médecine avait souvent des allures de magie, hein, de pratique magique. Et ceux qui voulaient travailler un petit peu en amateur et jouer les herboristes en recommandant telle ou telle potion pour guérir telle ou telle maladie, eh bien, si ça tournait mal, ils pouvaient très vite être accusés de sorcellerie. Et c'est ce qui est arrivé à la pauvre mère de Kepler, qui a été incarcérée pendant 14 mois. Et son fils a dû plaider longtemps pour arriver à la faire libérer. Elle est morte d'ailleurs peu de temps après. Et pauvre Kepler, il a eu vraiment énormément d'ennuis avec les femmes. Et il a écrit dans ses ouvrages la phrase suivante: quand la tempête fait rage, il ne nous reste rien de plus noble que de jeter l'ancre de nos études pacifiques dans le flot de l'éternité. Mais pour clore celle-ci, je voudrais simplement faire une petite remarque assez amusante. Du temps de Kepler, si on s'amusait à prétendre que le Soleil était le centre du monde et que la Terre tournait autour, on pouvait risquer de gros ennuis avec l'autorité religieuse. Par contre, ma foi, faire des prédictions astrologiques, ça faisait partie de la vie de tous les jours, quoi. Alors que dans l'époque actuelle, c'est devenu l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde maintenant s'est mis d'accord sur le fait qu'effectivement la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais alors l'astrologie, là vous êtes brûlés.